Hello tout le monde, c'est Thibaut Beau et on se retrouve pour la suite de Mario Sunshine. Donc voilà, on va continuer là-dedans, donc dans le Port Rico. Voilà, on a déjà fait un soleil secret et le secret de la Tour Rico, ok. Et les 100 pièces. Les 100 pièces, c'est infernal, hein, très clairement. Voilà. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Eh ben, why not? Pa pa pa. Ok. Ok. Bon, il y a du parcours à faire, hein, mais bon. Ah, du coup. Le secret, du coup. Ouais, sous-zone. Ok. Anti-Mario, il me prend mon truc. Oh là là. Ok. Mais en vrai, c'est cool ça. C'est sous-zone, ça peut être très relou. Mais en fait, franchement, c'est cool. Padapapapada. Genre je sais pas, oui ça peut être loup mais enfin ça dépend je pense. Ça dépend de la sous-zone quand même parce que il y en a certaines qui sont vraiment trop relou pour être appréciées. Non, non mais non. Il y a un truc qui me saoule aussi dans ce jeu, c'est l'interaction que Mario il a. Genre par exemple. Ok, là c'est juste moi. Quand il touche un mur, à peine il le touche, même si je viens à peine de démarrer mon saut, tout de suite il va vouloir faire un saut mural. Tout de suite, genre. C'est abusé. Et en fait, je peux pas être tranquille. Aïe, ok. C'est moi aussi, je me suis fail. Hein, j'ai juste, j'ai juste foncé sur le bloc. J'ai encore 5 vies, ça va. 4. Ah oui. Ok. Let's go. Hop là. Non, mais sérieux, mais ça a passé. Waouh. C'est abusé là. Bon, cette fois, je vais arrêter de me fail, d'accord. Mais genre, par exemple, là, en fait, vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait un saut là-dessus. Et il s'est arrêté pile sur le bord et là où ça glisse, hein, évidemment. Ouf, ok, là j'ai eu chaud. Ok. Là, là, là. Ok. Ça passe. Ok, let's go. Magnifique. Le 1 up, je m'en fous. Un truc clairement. C'est pas mon souci. Mais c'est quoi ces plateformes de ouf là? Mais what? Ça c'est un petit peu abusé. On va pas se mentir, là, la rotation était complètement folle. Hein. Ok. Je préférais m'arrêter. Plutôt que. Vous savez, après un saut. Genre un saut glissé. Enfin une attaque glissée en l'air. Si t'appuies sur B, donc pour te relever, en fait, il va de ouf en avant. Donc, en général, je fais ça pour avoir de la vitesse. Mais là, ça aurait pu m'envoyer dans le vide, en fait. Donc, bon. Je préférais pas faire. Donc, ok. On va juste retourner dans cette mission. Pour le soleil secret. Du coup, voilà. On va y retourner. Ok, alors, du coup. Voilà, nice. Let's go. J'ai 1 minute 30. Ok. Mais là, avec Jet, ça va être... ça va être easy. J'avoue que celui-là était quand même un peu relou. Genre, ça encore, ça va. Là, cette première partie-là, ça va. Ok. Par contre, ici, là, ça, c'était relou. Avec cette plateforme-là. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était bien relou. Ok, au moins là avec Jet je peux me rattraper correctement donc ça va. Et puis ici aussi. Alors les deux premiers là ça va. Ouais même les trois premiers ça va. Ça passe. Mais ensuite là, waouh ouais. Les plateformes ont commencé à avoir une rotation, une inclinaison de malade quoi. Franchement là.
ça commençait à pas aller. Ok, hop là. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a dit de faire attention ici, là, pendant les cinématiques. Parce que ça, ça peut me tuer, en fait. Genre, à la fin d'une cinématique, et genre, je fais pas attention, et à la fin, je finis par glisser ou tomber. Mais ça, je me souviens que ça m'était déjà arrivé de mourir à cause de la cinématique. Donc, ouais, je fais attention à ça, hein, très clairement. Du coup, voilà. Donc, là... Ça c'est bon, il reste combien de missions là? 3 je crois. Il me semble il en reste 3. Et puis d'ailleurs on a atteint les 30 soleils. Voilà, il y en a 120 au total hein. Je sais pas si je vous l'avais dit. Mega Bloops contre-attaque. D'accord. Ah, celui qu'on a tué au début. Ah oui, ok, je capte. Ok. La la la. Attendez, non. Hop là, on va faire ça. Le son en arrière, par contre, il saute haut. Hein, quoi. Enfin, genre, oui, avec un son en arrière, il saute vraiment haut, Mario. Donc, ça, c'est cool. La 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 la. Ok. What? Alors, ok, mais pourquoi là, il y a ça? Ça n'était pas avant. Hein. On soit d'accord. J'en ai vraiment besoin pour aller au-dessus. Sérieux? Eh, je suis sûr que je... Ben non, on peut y aller sans. Bah oui, on peut y aller sans. Ouais. D'accord, ok. Ok, let's go. Aïe. Ouh. Non mais attends, prends. Ok, voilà. Il voulait pas le prendre, il a fait une attaque glissée là encore. Ok. La la la. Pa 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 pa. Ok. Ok. Ah mais vraiment par contre ça doit faire mal hein. Se faire arracher les... C'est comme si quelqu'un il nous arrachait un bras. C'est horrible. Avant il tirait toutes ses forces et après ton bras ouais, il s'arrache. Donc bon. Voilà quoi. Non mais j'en avais pas besoin là, de la catabuse. Franchement j'en avais pas besoin. Je vais aller la chercher mais ouais non j'avais pas besoin. Ok. Par contre, voilà, merci. Ok, let's go. Ah, je voulais choper le deuxième. C'est pas grave. Ok. Hop là. Pa, pa, pa. En vrai, c'est pas un boss truc compliqué. Hein, on va pas se mentir. Franchement, ça va. On a connu pire hein, dans un Mario. Ok. Let's go. Et là on lui tire la bouche. Ça va faire mal aussi ouais. Ah oui il a de la force Mario hein. Ok. Non il y avait clairement pas besoin de la catabuse. Il n'y en avait clairement pas besoin. Voilà, je sais pas pourquoi ils l'ont mise là. Parce qu'elle ne servait à rien. Hein. Vraiment. Tu pouvais monter voir le bloops sans la catabuse. Hein. T'avais d'autres chemins qui te permettaient d'y aller juste avec des simples sauts. Hein. Mais bon. Écoutez, au pire, c'est pas mon problème. La 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 la. Pop, 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 pop. Ok, on a bientôt fini ce niveau de malheur. Les pièces rouges de Porto Rico. Ah, c'est pas avec les trucs là où on fait du surf? Ouais, oui, ok. C'est bien ça. Ok. Aïe.
Ok. Ok. Hop là. Non, mais c'est une blague. Mais... Oui, voilà, si je me cogne alors que je suis sur un... Un calamar. Ça me tue. Voilà, si je me cogne, ça me one shot. Donc une fois que je monte dessus, en fait, je peux plus descendre. Donc voilà, bon, écoutez. On va refaire, hein, évidemment. Allez, dépêche. Là. Hey, les cinématiques, elles mettent du temps à se zapper. Bon, au moins, on peut les zapper, c'est déjà ça, hein, mais... Ça met du temps quand même. Ok. On va reprendre le verre, hein. Écoutez. Je l'ai pas touché le poteau, mais c'est une blague. Bon alors, mais what, attendez, par contre, si je loupe toutes les pièces, ça va pas le faire, d'accord. Alors j'ai pris lui exprès parce que, voilà, il va moins vite. Comme ça, j'ai plus le temps de capter les pièces et puis de les récupérer, hein, évidemment. Ok. Non mais c'est une blague, comment ça je l'ai loupé? Ça va pas? N'importe quoi. À quel moment je l'ai loupé? Mais c'est... N'importe quoi. Ok, bon, il m'en manque plus que deux. Ah, puis la deuxième elle est là-bas. Ok, attendez. Par contre il faut pas que je bouge la caméra, parce que sinon après ça devient vraiment compliqué. J'ai traversé le petit poteau quand même. Bon. Voilà. Attention cinématique. Enfin, j'aurais pu mourir à cause de la cinématique là aussi. Mais bon. Alors, je vais pas prendre de risque, d'accord. C'est une blague. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est quoi ce jeu? Je voulais pas remonter sur un autre calamar. Et en plus celui qui j'ai pris il tourne pas et du coup ça m'a tué. Oh, je jure, j'en ai marre. Vous avez vu ce qui vient de se passer là? Je suis mort à cause de la cinématique. Parce que la manière dont s'est remise la caméra, c'était pas du tout comme c'était avant la cinématique. Je jure, j'en ai marre. Attendez. Vous savez quoi? Alors cette fois, on va réussir. Mais c'est pas dur en plus. C'est pas dur, c'est pas long. Juste là... Il est en train de me faire nimp, quoi. Franchement, c'est limite... C'est la difficulté d'une sous-zone, quoi. Ça va pas. Donc, attendez. Hop là, on fait ça. Ok. Let's go. Hop là. Voilà. Nice. C'est pas dur. Ok. Du coup, ça, c'est la dernière pièce que je vais récupérer. Histoire qu'il n'y ait pas d'obstacle à côté de moi. Vous avez vu comment la caméra elle se met après la cinématique? C'est pas du tout la même que avant la cinématique en fait, si vous voulez. Et là je suis mort à cause de ça, hein, juste avant. Wouah, mais j'ai mal à la tête là, je vous jure. J'aime pas du tout ce niveau. Bon, j'aime pas ce jeu de base. Mais si je dois faire un classement des niveaux là-dedans... celui-là, franchement, j'aime pas du tout. Ah, je vous jure.
Anti-Mario se fait arroser. Ah non, ah, il y avait un soleil en plus. Ah, j'avais pas vu. J'avais mal vu, ok. Bon, ça, c'est easy. Là, faut juste le suivre. Ah oui, il est parti au-dessus. Mince. Ok. Mais il est sérieux. Il est où? What? Ah, il est au-dessus là. Ah, ok, attendez, je l'avais pas vu. Ok. Je suis pas monté pour éviter qu'il me tape, hein, évidemment, mais... Par contre, là, si tu tombes... Oh là là. Ok, ah bah voilà. Bon, je m'en souviendrai. Ça, c'est vraiment la mission la plus simple, hein. Ah, je suis content d'avoir une mission simple là, là tout de suite. Enfin, simple. En fait, celle d'avant, c'est pas dur. Mais c'est juste hyper relou. Et la caméra qui se remet pas correctement. Non, non, franchement. Je vous jure, je suis mort pour rien. Et le dernier trail que j'ai fait où j'ai récupéré le soleil, là, avec l'épice rouge, j'ai failli encore mourir. À cause de la caméra, mais bon. Insatiable Yoshi. Ah ? Enfin, Yoshi. Ok, d'accord. Et il est où? Bon, eh ben les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. En fait, là, cette mission-là, je peux pas la faire parce que normalement, Yoshi est censé attendre ici. Et en fait, il faut le débloquer via une autre mission et un autre niveau. Voilà. En fait, là, je peux pas faire cette mission pour le moment. Donc ouais, on va... s'arrêter là pour aujourd'hui du coup. Voilà pour Rico. Mais en fait le soleil là je peux pas le faire pour le moment, parce que Yoshi n'est pas débloqué. Et en fait il se débloque. Voilà, donc ouais. Et ben écoutez, c'est pas grave. On fera ça plus tard, hein, du coup. Mais voilà, donc ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Dites moi ce que vous pensez de ce niveau là pour Rico. Moi j'aime pas du tout. Voilà, très clairement, je déteste même vraiment toute la séance de plateforme et de saut. J'aime bien la plateforme. Mais dans ce jeu-là, en tout cas, ouais, là pour les 100 pièces et aussi les pièces rouges, là, en faisant du surf, c'est insupportable. C'est pas dur, mais c'est insupportable. Mais bref, on continuera du coup la prochaine fois. Et voilà, c'est ça qui est ça. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos, c'est très important. Et donc voilà, donc sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.